Bonjour à tous, Walker and Lucia pour une nouvelle vidéo sur The Secret World. Aujourd'hui, nous sommes sur la mission narrative, la pratique du chaos, et nous en sommes à la phase 1. Allez, c'est parti. On m'indique une autre voie. Donc on va aller dans la direction qu'on m'indique. Comment on va passer là? Ok, on va passer par là. Manifestement, il faut que je passe derrière. Donc là, on va rentrer dans le Dojang. Mon nom est Daesu. Je suis celui qui ouvre la voie. Toi, tu es le dragon. Une des myriades de gouttes d'eau qui déclencheront la grande crue. Celle-là même qui s'abattra sur tous ceux qui stagnent craintivement. Le calme peut être précurseur d'une grande force pour le changement. Je t'apprendrai. Ce lieu est dédié à l'étude. N'y viens que si tu as l'intention de travailler. Tu as en toi un pouvoir, celui que l'on nomme Anima. Il est dans ton souffle, ton sang, ta vie. C'est une forme d'énergie que beaucoup cherchent à comprendre et à contrôler. Tu es extraordinaire. Tu peux canaliser cet anima pour qu'elle te serve et pour qu'elle serve le dragon. Le poing fermé, le talisman, l'épée, le pistolet, ce ne sont là que des instruments qui attendent que tu en joues. Vois les nombreuses armes de guerre que recèle cette maison. Prends-les, essaie-les, cherche à en exprimer tout le potentiel. Apprends la voix. Quand nous serons satisfaits, tu pourras en conserver une. Désormais, il faut que tu changes. Avant, ta vie était troublée, incertaine. Mais c'est fini. Les jours sombres approchent. D'aucuns disent même qu'ils sont déjà arrivés et que nous méritons notre sort. Mais nous allons te former à leur résister et, ce faisant, à les façonner. Voilà ce qu'est la voix. Donc voilà pour la phase 1, et là nous démarrons la phase 2, où il faut que je choisisse un style de combat. Donc pour ma part, j'ai déjà essayé un petit peu les différentes armes qu'il y a. Vous voyez, il y a des mannequins avec donc les différentes armes qu'il peut y avoir. Et donc pour ma part, je vais directement aller chercher un focus d'élémentaliste. Je vais prendre un focaliseur d'élémentalisme. Donc on va prendre. Hop, on va accepter. Ça se fait sous forme d'une petite mission. Hein. Voilà, j'ai pris le focaliseur. Maintenant on va l'équiper. Donc on équipe tout l'équipement qu'on a au départ. Voilà. Et bah là pour l'instant, on va. Donc on a une mission. Hein. Voilà pour la petite mission. Et donc là maintenant, eh ben je vais retourner voir le PNJ à l'entrée. Prends ceci. C'est l'instrument du chaos de notre époque. Les foules qui se rassemblent d'elles. Et donc là, il faut que je prenne le téléphone. Les informateurs anonymes, les films amateurs montrant voilà qui les est fait. Il faut que je ressorte du Dojang. Donc on va ressortir. Et on retourne à Séoul. Donc voilà pour la phase 2. Et maintenant, nous allons attaquer la phase 3. Il faut que je localise la tête du dragon. Donc je regarde la mini-carte. Il faut que je descende en bas. Donc là on est à 35, voilà, on s'approche.
Donc là, à nouveau, une porte à franchir. Bienvenue au sein du dragon. Pardon pour cet accueil musclé. Tout s'accélère et l'heure n'est plus vraiment aux mondanités. Je me nomme Bongcha. Je suis la voix du dragon. Ne parlez pas à l'enfant, et encore moins au moine. Adressez-vous à moi. C'est moi qui donne les instructions, moi et moi seul. C'est clair ? Nous croyons au libre-arbitre, dans un certain cadre. Je vais vous donner les limites de ce cadre. Ensuite, vous serez libre de faire vos propres choix. Nous avons tous un rôle à jouer, et nous faisons tous partie du dragon. La tête, la bouche, les griffes et le feu. Même la poussière et les débris qu'on retrouve dans son sillage. Nous faisons tous partie de l'équation, la distorsion de la réalité. Nous sommes les agents du chaos, et nous prenons des mesures pour façonner l'avenir. Nous faisons tout ce qui est nécessaire. En ce moment, de nouveaux systèmes se forment à Solomon Island. C'est un peu comme le climat. Une tempête se prépare, et le papillon, c'est vous. Allez donc battre des ailes là-bas, pour ajouter un nouvel élément au chaos ambiant. Hormis nos rivaux au sein du Conseil, personne n'entre ni ne sort de Solomon Island. On n'y accède que par la Garta, et vous êtes de ceux qui peuvent le traverser. Il y a des prédictions, des modèles. Mais même si je vous les montrais, vous ne sauriez les interpréter. C'est nous qui vous dirons où vous serez utile. Où vous pourrez le plus efficacement semer la discorde. Les Templiers et les Illuminati font leur possible pour percer les secrets de Solomon Island. Nous pourrions attendre et les laisser s'entre-déchirer, mais certains schémas et modèles attendent de nouvelles données, des actes perturbateurs et de nouveaux agitateurs. Il est temps d'y aller. Donc voilà pour la phase 3, et maintenant nous allons partir sur la phase 4. Il faut que j'aille, donc ici, on va repasser par le chemin par lequel on est arrivé. Avec un petit sprint. Donc voilà que nous arrivons donc là où nous devons aller, et donc là on va rentrer dans la Garta. Bonjour, oui. Vous êtes à l'entrée de la Terre Creuse, la Garta. J'espère que vous n'étiez pas venu pour prendre la ligne locale. Elle est légèrement perturbée. À ma montre, elle a 1 siècle et 25 minutes de retard sur l'horaire prévu. Ah, à en juger par votre allure, vous aimez parcourir le monde. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Ce domaine souterrain, tout comme le chemin de fer britannique, est un modèle d'efficacité absolue. Les passages de la Garta sont liés à l'arbre de vie et vous ramèneront à la surface. Ici, les lois physiques sont souples. Et en un rien de temps, on traverse la planète sans courir le moindre danger. Personne ne sait exactement comment ça marche. Les experts scientifiques sont un peu perdus, mais on nous assure que leurs meilleurs hommes y travaillent. C'est l'élite. Et voici votre lien. Attention les doigts. Merci bien. Ces appareils sont incroyables. Par chance, il nous en reste assez pour que chacun ait le sien. Il pourra vous servir de point d'ancrage à la Terre Creuse. Il vous ramènera ici en un éclair. Et il ne s'agit pas que d'une expression. Bon, alors, en route pour la Nouvelle-Angleterre. Et donc maintenant, la cinquième phase. Faut que je trouve et que je franchisse un portail, donc on va passer par ici. Même si elles sont sans danger. Donc un système de voyage assez rapide.
Et on va se rendre à Chrismout. Et voilà. A priori, là, j'ai trouvé le. Donc, voilà pour cette mission. J'ai terminé le... donc cette mission narrative. Et bien écoutez, je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Et si vous aimez, pensez bien à mettre un petit plus. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos.